Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Vous pouvez aussi retrouver de quoi améliorer votre anglais sur la chaîne YouTube du même nom, Langonaute. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va parler technologie. Donc ça va peut-être parler aux ingénieurs en herbe parmi vous. Je vous donne tout de suite l'article du jour. Alors, l'article d'aujourd'hui va être peut-être un petit peu long, mais en tout cas, je le trouve vraiment très intéressant, puisqu'il, de la façon dont il est raconté, ça donne vraiment vie à l'histoire. Ça, c'est donc au sujet d'un avion, d'un problème d'avion. Donc peut-être que vous avez déjà vu des photos, que vous en avez entendu parler, mais dans tous les cas, c'est un sujet assez intéressant. Il y aura un peu de technique, mais c'est surtout une histoire qui explique tout le déroulement de l'événement. Donc, le titre de cet article... JetBlue airliner lands with broken nose gear. Comme d'habitude, je vous donne un peu de vocabulaire pour comprendre la suite et anticiper un petit peu de quoi va parler cette histoire. Donc on a déjà dans le titre, on a nose gear. Alors, il faut savoir que landing gear, c'est le train d'atterrissage en général. Et donc nose gear, c'est le train d'atterrissage avant, qui se trouve donc sous le nez de l'avion. Take-off et landing, c'est le décollage et l'atterrissage. To fail to do something, c'est ne pas faire quelque chose qui était prévu. Donc échouer à faire quelque chose. To fail to do something. A television footage. Television footage, c'est une prise de vue. Donc on a déjà vu ça dans l'épisode précédent, on avait video footage. Cette fois c'est television footage, mais c'est toujours le même principe, c'est une prise de vue. Sideways, donc vers le côté. To dump, jeter ou se débarrasser de quelque chose. To snap off, se casser. To withstand, supporter ou endurer quelque chose. Front and rear, c'est l'avant et l'arrière. Donc on passe tout de suite à la lecture de cet article de façon un petit peu lente. Si vous comprenez assez rapidement, sachez que par exemple dans YouTube, j'ai fait des petits chapitres, donc vous pouvez tout de suite sauter à la lecture rapide de l'article. JetBlue airliner lands with broken nose gear. JetBlue flight 292 en route to New York's JFK Airport from Burbank, California, encountered nose gear malfunctions shortly after takeoff. It safely landed 3 hours later at Los Angeles International Airport with no apparent injuries. The pilots first realized something was wrong when the landing gear failed to retract. Television footage showed that the plane's front wheels were pointing sideways, perpendicular to the plane's body. The plane was diverted to Long Beach Airport, where it tried and failed to land, and then on to LAX, which has better emergency facilities. The aircraft circled near the airport for several hours to burn fuel. The Airbus A320 aircraft is not designed to dump fuel. Commentators predicted that the nose gear would either snap off, immediately twist to parallel upon touchdown, or withstand the friction from the landing while remaining at a 90 degree angle. At approximately 6:19 p.m. local time, almost 3 hours after takeoff, the aircraft successfully managed to touch down. The pilot landed the plane first on its two rear wheels,
keeping its nose in the air as long as possible, until it slowed enough that the nose could be safely lowered. The front tires remained at a 90-degree angle and were incinerated through the friction. Reports indicate that the pilots acted in a calm and professional manner. Voilà donc pour cette première lecture de l'article. Donc ça raconte bien toutes les étapes de ce qui s'est passé sur ce train d'atterrissage avant de cet avion. Donc avant de passer à la suite, la deuxième partie de ce podcast, comme d'habitude, où je vais vous lire du vocabulaire, on revoit le vocabulaire et je vous lis l'article de façon plus rapide. Je vous le rappelle, si ce podcast vous plaît, partagez-le, faites-le connaître autour de vous. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'abonnaient sur Spotify, donc ça fait super plaisir, merci. Et partagez avec les personnes avec qui vous apprenez l'anglais, ou les personnes avec qui vous pourriez discuter de ces sujets-là, c'est l'occasion ou jamais de pratiquer l'anglais. Voilà, donc si ça vous plaît, partagez et on passe à la suite avec le vocabulaire. Landing gear, le train d'atterrissage. Nose gear, le train d'atterrissage avant. Take off and landing, le décollage et l'atterrissage. To fail to do something, ne pas faire une chose comme prévu ou échouer à faire quelque chose. Television footage, prise de vue. Sideways, vers le côté. To dump, jeter ou se débarrasser de quelque chose. To snap off, c'est se casser. To withstand, supporter ou endurer. Front and rear, c'est l'avant et l'arrière. JetBlue airliner lands with broken nose gear. JetBlue flight 292 en route to New York's JFK airport from Burbank, California, encountered nose gear malfunctions shortly after takeoff. It safely landed 3 hours later at Los Angeles International Airport with no apparent injuries. The pilots first realized something was wrong when the landing gear failed to retract. Television footage showed that the plane's front wheels were pointing sideways, perpendicular to the plane's body. The plane was diverted to Long Beach Airport, where it tried and failed to land, and then on to LAX, which has better emergency facilities. The aircraft circled near the airport for several hours to burn fuel. The Airbus A320 aircraft is not designed to dump fuel. Commentators predicted that the nose gear would either snap off, immediately twist to parallel upon touchdown, or withstand the friction from the landing while remaining at a 90-degree angle. At approximately 6:19 p.m. local time, almost 3 hours after takeoff, the aircraft successfully managed to touch down. The pilot landed the plane first on its two rear wheels, keeping its nose in the air as long as possible until it slowed enough that the nose could be safely lowered. The front tires remained at a 90-degree angle and were incinerated through the friction. Reports indicate that the pilots acted in a calm and professional manner. Now here is my question to you. What is your favorite mean of transportation? Why? That's all for today. Thank you very much for listening, and until next time. Bye!